m'appelle Chloé Brutinel, j'ai 24 ans. J'ai commencé mon cursus scolaire donc à la fac avec le STAPS. Donc c'est un enseignement sur l'activité physique et j'ai choisi comme spécialité l'APA, donc l'activité physique adaptée. Suite à l'obtention de mon master, je suis ensuite partie travailler au niveau de Paris pour prendre en charge des personnes âgées polypathologiques, mais aussi prendre des personnes ayant un cancer. Mon projet, c'est de faire une salle santé sport. Donc, c'est de lier l'activité physique adaptée avec la santé. Donc, pour ce faire, c'est de prendre l'individu dans sa globalité et de comprendre ses besoins, ses attentes, ses objectifs et de se faire créer une séance pour cette personne. Mes attentes vis-à-vis de cette formation, c'est de créer mon business plan afin d'être sûre que ce que j'ai envie de faire soit cohérent et possible. La première semaine, on fait tout ce qui est théorique. Donc on apprend les différents sujets de l'entrepreneuriat. Ensuite, la deuxième semaine, on va faire plus le côté pratique. Ce qui m'a intéressée, c'est l'étude de marché, parce que c'est l'une des choses pour moi les plus importantes dans la création d'entreprise. Il y a aussi les différents statuts. Ça nous aide à savoir quel statut choisir. Mon projet s'est affiné depuis le début de la formation. Il y a encore des questions qui se posent, notamment par rapport à l'étude de marché qui n'est pas encore faite. Donc pour savoir qui vont être mes potentiels clients, je ne suis pas encore sûre. Au début, mon projet il partait un petit peu dans tous les sens. Et maintenant, j'arrive plus à cerner vraiment qu'est-ce que mon projet et pourquoi je le fais et comment je vais le faire. Avec le groupe, ça se passe vraiment bien. On a une superbe cohésion. S'il y en a un qui va pas bien, on n'hésite pas à aller le voir. Enfin, on essaye de s'entraider au mieux et c'est super important. Parce qu'on sait que lors de la création d'une entreprise, on est seul. Mais que même si on est seul, on a besoin d'être aidé à côté. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec la formation. Donc, bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Chloé Brutinel, j'ai 24 ans. Donc, mon histoire commence quand j'ai 7 ans. Donc j'ai commencé la gym et j'ai pratiqué donc pendant 12 ans à haut niveau. Ces 3 semaines de formation, elles se sont bien passées. C'est très très dense, beaucoup d'informations. Ensuite, mes avantages par rapport à ça, donc c'est de faire un programme adapté vraiment à la personne, à sa maladie, à ses objectifs, à ses envies et à ses disponibilités. Plus en confiance, oui. Après, j'ai encore des choses à apprendre parce que 3 semaines, c'est court. Et je suis loin d'être une experte, encore une fois, en entrepreneuriat. Je vais jouer sur plusieurs marchés, le sport, le bien-être et la santé. On sait qu'aujourd'hui, le sport, il est à la mode. Je ne vais pas créer mon entreprise demain, c'est encore trop tôt. J'ai encore quelque chose à finir, des choses à apprendre aussi. Mais c'est bien parti pour se lancer. Chloé, c'est quelqu'un qui incarne vraiment ce projet puisqu'elle a l'expérience, les diplômes, elle a la posture, elle a le savoir-être. Elle est aussi très mature et même si pour certains on va peut-être lui reprocher qu'elle est trop jeune, elle a 24 ans, mais en même temps elle a ce dynamisme, cette volonté d'avancer qui est nécessaire dans ce type de projet et je trouve qu'elle a une capacité de se remettre en question et d'avancer encore plus qui est vraiment essentielle pour la réussite de son projet.